Bernard, comment ça s'est passé les roses ce week-end à Coin-Circeil? Bah, chez nous, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on s'améliore de jour en jour, pas d'année en année, mais c'est vrai qu'on retient toujours les leçons de l'année d'avant. Il n'y a rien à dire. Après, je veux dire, t'as vu, hein, on était 400 personnes, il faut les gérer quand même. Hein, mais ils étaient disciplinés, non, c'était très bien. Ça s'est bien passé. Ouais. Il vous reste des roses un peu ou pas? Ben, comme d'habitude. Hein. Il reste un petit fond. Ben, tu sais, quand t'as un gars qui te prend 3 roses et qui te fait un chèque de 1000 euros, ça fait déjà 500 roses qui devraient être vendues, quoi. Ouais. Qui nous restent sur les bras, pratiquement. C'est vrai que là, cette année, c'est la première fois que je faisais du porte-à-porte parce que je remplaçais mon ami Christian qui n'était pas en bonne santé. Mais je voyais, les gens, ils prenaient une rose. C'était un billet de 10 ou de 20 euros, quoi. Bon, Donc ça laisse présager un bon chiffre, ouais, tout ça. Ah, vous m'emmerdez avec votre type. Ça va donner écoute, quoi? Je sais pas. Bon, tout le monde espère qu'on fasse ces 2 millions. Allez, je marche avec eux. Je dis, allez, espérons qu'on fasse ces 2 millions. Comme ça, au moins, on foutra la paix avec ouais. ça. Et à Coin-Circeil, c'est un bon chiffre aussi. Ah, ça, je sais pas. Hein. Honnêtement, là, je m'occupe pas des comptes. Là, tout à l'heure, je vais aller voir. Je saurai ils sont en train de compter là encore ce qui est rentré là. Moi, je pense que pas avant 9h, on ne saura pas. Hein. Ouais. Mais après, ce sera un chiffre brut. Hein. Ouais, ouais. Hein. Est-ce que tu as des retours des autres secteurs? Ah oui, ben, écoute, il y a des retours, je sais. Il y en a qui ont manqué de roses. Bon, moi, j'ai réussi à en fournir 500. J'aurais pu en fournir 1000, mais enfin, après, tu sais, c'est difficile. Hein. Ouais. Mais je sais qu'il y a quand même des secteurs qui ont manqué de roses. Ils ont réussi à en trouver. Ça veut dire que ça sera un bon succès. Salut tout le monde. Salut Bernard. Ça sera un succès, oui. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message ce soir? Eh bien que... Avec ce qui s'est passé hier, tu vois que, comme je dis, on est fragile, on est vulnérable. Alors surtout, faites attention à vous. Et que je vais vous revoir tous en bonne santé l'année prochaine. Voilà. C'est un message de prudence, alors c'est important, la sécurité. Oui, bien sûr. Et bon, nous, je ne sais pas si parce qu'on est. On fait quand même attention, mais tu n'es pas à l'abri d'un accident. Hein. Tu as vu, là tout à l'heure, en fin de parcours, il y a une moto qui a tapé. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Bon, c'est que du matériel, mais tu vois que ça va vite. Hein.